Salut à tous, bienvenue sur la chaîne L'Équipe pour les championnats du monde de l'homme le plus fort du monde, catégorie vétéran. Ils sont mûrs, ils sont âgés, ils sont matures, mais ils sont forts, toujours forts et très impressionnants. Mon cher Fred Le Canut, bonjour. Oh, bonjour mon Flo, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ici sur la chaîne L'Équipe pour la suite du programme. Et quel programme avec ces hommes qui ont déjà marqué les esprits, notamment sur des techniques et sur des exercices divers et variés. Et cet homme Abrutis, vous le voyez ici, le lituanien, ouais, très en forme, Flo. Et on va le suivre, ce garçon, parce que pour l'instant, c'est lui qui est en haut du classement. Mais il y a eu de nombreuses surprises. Il était vraiment, vraiment tout en haut. Et puis, il y a eu des remontadas, il y a eu des choses diverses et variées, notamment cette, rappelez-vous, mon Flo, la pierre du Zappel, Stone. Ouais, il y a eu des petites défaillances, mais c'est la difficulté de ces épreuves de force. C'est pas parce que vous brillez à une que vous allez être brillant à toutes. Et Audhaugen, cet homme, le Norvégien, 63 ans, le plus ancien du plateau, qui nous a incroyablement surpris sur ce soulevé de voiture. Il a dépassé la minute, il est le seul à l'avoir fait. Énorme respect. Et peut-être aujourd'hui une énorme surprise, une victoire pour cet homme de 63 ans. C'est pas l'heure de la retraite pour lui, je peux vous dire. Et la valeur, contrairement à ce que dit le proverbe, attend le nombre des années. Ah oui, si ça a été vraiment le cas. Et on va enchaîner, Flo, après les exercices et après ces passages qui ont forcément secoué les organismes. On va passer à la phase suivante et on va vous expliquer dans quelques instants l'exercice. Magnus, vers Magnusson, la légende. Oh oui, la légende vainqueur de l'homme le plus fort du monde, mon cher Fred, effectivement. Eh bien, c'est lui aujourd'hui l'arbitre et le consultant qui nous raconte un petit peu toutes les finesses et tous les détails des épreuves. Vous connaissez, les pierres de l'Atlas, véritable classique des concours de force, hein, Fred. Oui, c'est un classique, absolument. La pierre de l'Atlas fait partie de l'ADN de ces épreuves de l'homme le plus fort du monde. Elles ont cette forme, elles ont ce poids qui rend l'épreuve forcément difficile. Différents poids, différents promontoires, il va falloir de la coordination. Il va falloir aussi beaucoup de technique. Et Grégor Petska, aujourd'hui on l'a vu, on le sait, hein, c'est un garçon extrêmement physique qui s'entraîne en salle. Est-ce qu'il va être capable de maîtriser ses pierres? C'est pas simple, hein, puisqu'il ne suffit pas, entre guillemets, d'être très fort au développé couché ou sur des barres. Il faut aussi la maîtriser, un élément compliqué, la pierre. On va voir, voilà. Il y a une technicité particulière et ça commence pour les doucement. Sur les promontoires, le plus haut promontoire pour la pierre la plus légère, évidemment, quand on parle de légèreté. Il est déjà dans le dur, regardez, Petska est déjà dans le dur, on le savait. 100 kilos cette première pierre. Ça va être dur, ça va être difficile pour lui. Et alors que à côté, ça va beaucoup mieux, cette résine, hein, sur leurs avant-bras, c'est de la taqui. Parce que bah, y a pas de prise, donc on essaye quand même de trouver un moyen que ça colle un minimum, parce que regardez que c'est compliqué de soulever ces pierres en les faisant rouler sur votre abdomen. C'est pas très pratique. Allez, attention ici, la dernière. Les dernières possibilités avec voilà cette pierre qui passe. Ouais, 4 pierres. Il en restera une. La dernière, celle qu'on appelle la Big Boy, la plus lourde, 160 kilos. Pour faire le carton plein. Ou attention à ses pieds. Petska là. La fatigue, bien sûr. Et puis le poids de ses pierres. Ça va être très compliqué. Ouais, l'accumulation aussi, hein, de débauche d'énergie depuis le début de ce championnat du monde vétéran. Allez, il va tenter la cinquième. Elle est dure celle-là. Elle est très très dure. Ouais, trop tard, parce qu'il y a quand même un chrono, hein, Fred. Oui, il y a un chrono. Et forcément, là, on est en dehors du temps. On voit ici, regardez le taqui, c'est cette glue qui permet d'avoir un meilleur contact avec la pierre. Et Kevin Murray, irlandais, qui a été plutôt bien, hein, c'est Pierre de l'Atlas. My sister Tracy gave it to me as a present, so. Voilà, il a toujours ce bandana pirate parce que c'est sa sœur Tracy qui l'a offert. C'est un petit cadeau familial, donc il le porte. C'est son petit porte-bonheur. Oh, c'est sympa. Et ça lui a plutôt porté bonheur sur ses pierres de l'Atlas où il a été, ma foi, assez performant. From Canada, Mike Saunders. Mike Saunders. Ready?
Allez, c'est parti, sprint final. Avec cet exercice particulier où on vient poser la pierre loin, elle est loin, hein. Il faut courir, la porter, la tenir sur l'épaule et ensuite bien la poser dans le cercle. Attention aussi à bien maîtriser la pose, hein, de ne pas trop jeter. Voilà. Il sert de courir, Fred, il faut soulever à point. Évidemment. Voilà, pour l'instant, on est sur trois pierres. Ils sont bien les deux hommes, pas de signe de défaillance. Ça continue à bien tenir. Et la cinquième pierre ça passe. Pour les deux hommes. Oh là là, les hommes, les hommes forts, Flo, les hommes forts, le respect bien sûr et la joie. Ouais, il va falloir vérifier le chrono, savoir qui a posé sa cinquième et dernière pierre en premier. Ça va se jouer à des dixièmes de seconde cette histoire. Ah, c'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Pas mal, c'est... C'est un euphémisme. En tout cas, c'est super. Et surtout, regardez, hein, ce contrôle-là à la fin de ces pierres énormes. L'engagement, oui, mais le contrôle, performance superbe de ces deux hommes. Ah oui. It's like the ice hockey and the Olympics all over again. The USA and Canada in a nail. Ouais, l'Américain, Chad Coy et le Canadien. L'Amérique du Nord en force. Hundreds of a second before Chad. What a great contest. Well, you know, that's what competing is all about. You know, that was probably one of my most amount of pleasure in a run of stones. Ouais, il dit c'est ça, les pierres de l'Atlas, c'est un duel. Et il l'a emporté, hein, face à Chad Coy Sanders. C'est lui qui a posé en premier sa première pierre. Ça s'est vraiment pas joué à grand chose, mais il l'a fait. Ouais, il dit, c'est notre ami commentateur, c'est le duel le plus serré que j'ai jamais vu de toute ma carrière. Sur les pierres de l'Atlas. Mike's a great stone lifter. I knew it was going to be a race. You can't make any mistakes. And honestly, I didn't make one. Il dit à Chad Coy Sanders, c'est un très bon souleur de pierre. Et donc, avec lui, si vous faites la moindre erreur, c'est terminé. Il vous passe devant et c'est ce qui s'est passé. Antanas Abrutis, le Lituanien, 44 ans, pour l'instant leader du classement général. Pour l'instant, c'est lui, si la compétition s'arrêtait maintenant, qui serait l'homme le plus fort du monde catégorie vétéran. Mais regardez, le Norvégien, attention. Le Norvégien qui est en train de nous faire une remontada. Incroyable. Alors, je sais pas si on dit remontada en norvégien, c'est une langue que je maîtrise assez peu. Mais en tout cas, il est là, Oda Hagen, et on va le voir sur les pierres de l'Atlas. Allez, c'est parti, je suis très curieux de le voir. Et je regarde Abrutis qui n'est pas le plus grand, hein, et qui va peut-être galérer. Ouais, regardez, il est dans le dur. Alors que Oda Hagen, lui, il a de la taille. Parce que forcément, il faut aller là-haut et Abrutis est petit et ça lui joue des tours. Petit mais costaud. Ah, ça c'est sûr qu'il est costaud. Attention, le Norvégien est devant. Ça c'est surprenant aussi. C'est Old Hagen. Ça marche bien. Ouais. Allez. Incroyable, Hagen est devant. Qui aurait pensé? Alors là, qui aurait imaginé que Hagen? Il nous fait une sensation, ce Oda Hagen, 63 ans. Il est qui absolument. Qui a 63 ans. Je pense qu'on va écluser tous les adjectifs. C'est hallucinant, hallucinant ce qui se passe là. Hallucinant. Allez, ça passe. Ouais, ça et passe. Ça passe pour Hagen, et pourquoi et la pas cinquième pour Oda et pourquoi Hagen. Pas, ça serait tellement incroyable. Et alors continuez, que continuez, continuez. Abrutis est en train d'exploser. Ouais, Abrutis, il a du mal. La et ça passe pour Abrutis qui trouve le ressort. Oda Hagen, il prend la pierre, il se. Alors là, regardez bien, et même Abrutis qui pousse parce que là il se passe quelque chose, ça vient mourir sur l'angle. Dommage, mais bon, franchement déjà les 4 pierres, bravo Oda Hagen. Et il va continuer à remonter au classement général, Fred, j'ai l'impression. Regardez Abrutis, il a du mal, et à nombre de pierres égales, on prend le temps, Fred. Donc, alors là, attention au classement, attention le classement, il se passe des choses, l'explosion. Pour le Lituanien, dans cette épreuve si spécifique et toujours si incroyable, les pierres de l'Atlas qui ont encore marqué les esprits. Et si une nouvelle fois, le classement changeait grâce ou à cause de cet événement, les pierres de l'Atlas, Flo. Ouais, une performance incroyable de Oda Hagen. Ouais, il est déjà content d'avoir fait 4.
Franchement, il ne s'attendait pas à être aussi performant sur les pierres de l'Atlas. Il se surprend lui-même, Oda Hagen. Alors, que dire de nous? Incroyable. Quand on l'a vu arriver au début du haut de ses 63 ans, on s'est dit... Il a eu du mal, en plus, au départ. Il a du mal, vraiment. Il a fallu se mettre en route. C'est un diesel. C'est un diesel. C'est un turbo diesel, parce que là, il a quand même envoyé sur la dernière ligne droite. Moi, j'y hâte vraiment au classement. Il a fait deux fois le tour du compteur, Oda Hagen, mais il continue à être en bon état de marche. Je peux vous dire, contrôle technique, il a tout bien. Alors, attention, Flo. Parce que ça, c'est incroyable. Sanders, Chuck Coy et Hogan. Et Abrutis qui, et au qui général, descend. Et Abrutis, alors là, est-ce que ça seulement. Bouge? Est-ce que Sanders prend le lead? Est-ce que Sanders ça. Passe à le la première place? En général, attention, attention. Et oui, et Max ça passe, Sanders oh là là, qui passe points. Devant Abrutis. Et Oda Hagen est dans le game. Oda Hagen et Chuck Coy, 38 points. Ça va être dantesque cette fin de compète. So we really are down to the wire now with our final three events. It's a close-knit competition, and there's only a few points separating those leaders of the pack. Il nous reste trois épreuves avant de que le verdict nous soit rendu sur la chaîne l'équipe qui sera l'homme le plus fort du monde. C'est les champions du monde vétérans. Et c'est très serré au classement général, Fred. C'est impossible de prédire ce qu'il va se passer. Ah, franchement, c'est impossible, c'est très serré. En plus, ce sont des hommes qui ont vraiment des cultures sportives, qui ont vraiment des compétences, qui ont vraiment des forces différentes. Et c'est donc très difficile de faire un pronostic avec le retour là, extraordinaire du Norvégien dans les derniers instants. Et donc voilà, on va vivre une fin de compétition palpitante. Surtout que là, on arrive sur... Comment dirais-je? Là, on dit l'ADN de la force oui. avec les pierres, mais là aussi on est sur l'ADN, bien évidemment, du monde, les de basiques. La musculation. Bah, oui, tout basique, et oui, le soulevé de terre, le deadlift. Et tout d'abord, 290 kg, bien validé. Et oui, évidemment, on va éliminer au fur et à mesure, on va écrémer les hommes. Il ne peut en rester qu'un, celui qui soulèvera la barre la plus lourde, car on va monter en charge, bien évidemment, sinon, ça serait pas drôle. 300 kilos. 310 kilos pour Ben France, l'anglais. Allez, allez, ce passage ici, les jambes bien serrées. Allez, il faut passer par-dessus les genoux, un appui, la relance. Et maintenir, c'est validé pour Ben France. Oui, soulever et maintenir, hein. Oui, c'est oui. très important. Il y a une phase de maintien, une phase de contrôle, comme on dit. Tout en haut, attention à Abrutis. Allez. Ne dites pas si fort son nom. Antanas Abrutis. Il est susceptible, Abrutis. Oh, mais ne dites pas ça. Regardez s'il est susceptible. En tout cas, il est engagé. Hein. Et là, on est vraiment dans son cœur de métier, si je puis dire. Ouais. Sous le regard ébahi de ces pom-pom girls. Hein. Ouais, qui sont forcément surprises par la vitesse Chuck de la barre qui est montée. 44 ans. Ouais. Il est troisième au général, Chuck Coy. Il faut qu'il fasse quelque chose hein, sur ce soulevé de terre. Pour espérer peut-être l'emporter aujourd'hui. Allez, ça passe peut-être. Oh, ça va vite. Oh, Chuck Coy, attention. Formalité pour Chuck Coy. Ah là 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 là. Il y avait du beau monde. Et il y avait surtout de la puissance. Regardez comme c'est monté vite. Incroyable. Et le retour de France. Oh, il en reste là. Refus d'obstacle pour... Bien évidemment, on prend pas de risque. Ouais. Mais c'est ça le Made in France. De la qualité, mais de la sécurité. Happy with your performance in the deadlift. I mean, you gave it everything you've got. You pushed yourself to the absolute limit. Yeah, I'm really happy. I haven't been able to train it because I injured my back earlier in the year. Ouais, il est content d'être arrivé à 310 kg parce qu'il s'était blessé au doigt avant la compétition. Il avait peur que ça tienne pas et finalement ça a tenu. Donc il est soulagé, il est heureux, Ben France. Bring me back in, make it a little bit more interesting for me in the last couple of events. The crowd here have been awesome too. Is that helping? Fantastic, absolutely. Yeah, I mean, as the day wears on, you Ouais, il dit que la foule est absolument incroyable aujourd'hui et que forcément ça aide, ça les aide à se sublimer et à aller chercher au-delà de leur force. 315 kilos oh là 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 là. Abrutis, le Lituanien. Intouchable sur cet exercice, hein, vraiment. Oui. Alors sur les pierres de l'Atlas, il a galéré avec sa petite taille, mais là sur ce type d'exercice. C'est un profil idoine. Attention, Chuck Coy. Chuck Coy, l'américain, 315 kilos. Pour continuer cette épreuve. Z
c'est validé ou pas, Fred? Oh là là. Est-ce que c'est validé? Oui, c'est validé. Parfaitement, 315 kilos. Il y a eu un petit moment de flottement. Là, on attendait que les arbitres. On en a remis un peu. On en a remis un peu. On en a remis 5. 320 kilos. Allez. Oh là là, il y va direct. Oh là 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 là. Il se pose pas de questions. Ah, il est chez lui là. C'est son exercice. Ah, hein. Voilà. Clairement. Il restera, il va pas laisser cette épreuve à quelqu'un d'autre, à Brutis. Il veut la remporter. Il est obligé, hein, parce qu'il est, il a été rattrapé par le Canadien Sanders. Tellement donc au-dessus. Il est en danger. Tellement au-dessus. Et Chatcoy, l'américain, hein, qui lui tient la dragée haute pour le moment. Il n'y a plus qu'eux, hein. Ils sont un peu seuls au monde là. Gonzalez. Congratulations. Which weight was this? Yes. Which weight? This is a big, big, big heavy weight. Yes, no, at a near deadlift, at a yes, good. Ah, oui, good. Bah oui, 320 kilos, oui, good. Ah, là, c'est very good. Hein. Ça, c'est very good, ça, c'est sûr. Yeah. Yes. Very sexy hat. Tau Orankos Majos. Da. Malki, no, Dirichut. Yeah. Yes. I basically said your hands are small, which is difficult for the. Alors, il m'a dit que ses mains étaient petites, ce qui évidemment est un désavantage pour saisir une barre. Bah, il a des petites mains, mais il a des gros bras, donc finalement, il a rattrapé. Antanas, the man with the bandanas. Fourth place, very strong champ. Sont costauds les hommes. Chapkoy qui a été quand même très impressionnant. Ah oui, qui va marquer des points là. Il a vraiment emmené et poussé le Lituanien dans ses extrémités. Antanas Abrutis, le Lituanien, 10 points. Chatcoy 9, Ben France 8. Le classement général. Après cette sixième épreuve, on calcule tout ça. Et ça alors, nous donne. En général, ça donne quoi? Antanas Abrutis qui reprend le lead. Le Lituanien. Oh là là. Un là point là devant Sander. Chatcoy, l'américain, est dans chaud le game. Et aussi le norvégien Odaugen. L'homme le plus fort du monde, le championnat du monde vétéran aujourd'hui sur la chaîne L'Équipe, avec des athlètes certes un peu âgés, mais vraiment très impressionnants. Toujours très performant avec ses différentes prestations, et notamment regardez ici où on a placé toutes les pierres d'un coup en même temps. Autant ils n'ont pas de prise sur les pierres, mais là lui n'a pas de prise sur eux. Et on voit ici hein, le Lituanien dans son jardin. Le leader du classement général, Antanas Abrutis. So it's a three horse race with just points separating. Ah, et maintenant le dumbbell, cette halter qu'on soulève à une seule main. C'est un héritage des haltères de cire que soulevaient les hommes forts au début du siècle. Avec les petites moustaches là, ouais. Ouais, bien, je la vois l'image. Très difficile, Fred, parce qu'une seule main, donc par nature du déséquilibre. Déséquilibre, bien évidemment, déséquilibré avec ce bras qu'on doit aller emmener tout là-haut avec, regardez, hein. Voilà, cette barre extrêmement large, c'est pour ça qu'il s'y met à deux mains pour expliquer qu'il faut deux mains pour monter. Cette barre qui n'est pas du tout une barre type olympique avec un petit diamètre, c'est particulier, c'est très dur, c'est très lourd et c'est maintenant. Et on retrouve notre homme en difficulté, il y a l'homme fort, vous savez, puis il y a l'homme en difficulté. Eh oui. Et lui, à chaque fois, le pauvre, il... C'est Nelson. Nelson moins fort. Ouais, bah Nelson le glas, hein, surtout. Nelson... Et battu. Allez, on enchaîne avec Pascal, le Polonais. Là, qui était attendu hein, sur ce type d'exercice, mais a priori, c'est pas bon. Et Odaugen, alors Old Hogan, est-ce qu'il est toujours là, notre Norvégien de 63 ans? Bien sûr qu'il est là, Hogan. Allez, regardez la spécificité de cette dumbbell. Voilà, regardez. Alors, il faut faire un maximum de répétitions. Et là, on est quand même sur une haltère qui pèse son poids. Allez, on enchaîne. Et c'est bien fait. Attention à bien gérer la descente hein, pour pas se faire mal. Ouais, on est sur une haltère autour de 80 kg. Hein.
Allez, ouais. Et regardez ici, bien au-dessus de la tête. Et toujours l'impulsion des jambes, hein, absolument. Pour aider, parce que là, on a qu'un seul bras, on n'a pas les deux. Donc, il faut un petit coup de main. Allez, et les jambes corps, sont les bienvenues. Un haut du corps vraiment bien solide et une base du bas du corps, comme vous le dites, Flo, dynamique, pour envoyer l'impulsion qui permet de pousser l'engin. Allez, cette répétition pour Odd Haugen une nouvelle fois, hein, impressionnant. Pas mal du tout. Bah même très bien. Pas mal très du très tout. Bien pour Odd Haugen une nouvelle fois, impressionnant. 8 répétitions et pourquoi pas 9. Bon, il est quand même hallucinant, hein, parce que là, il a eu une entrée de compétition tellement difficile et puis là, une explosion, une prise, vraiment, comment dirais-je, prise de contact avec le ciel, hein, parce que là, il a été hallucinant sur les dernières épreuves. Et tellement l'impression que qu'il est imperméable à tout, à la pression, à la fatigue. Odd Haugen, 63 ans, on arrive au bout de ce championnat du monde vétéran et j'ai l'impression qu'il est de mieux en mieux. C'est incroyable, incroyable, inoxydable. Allez, on y va, Max Saunders, ici. Ah, franchement, le Norvégien me laisse. Ah, mais je suis sans voix. KO. Suis... 9 répétitions. Et quand on voit, regardez, la galère là d'entrée. Si à 63 ans, je n'ai que la moitié de sa forme, je serais déjà très heureux. Bah, vous le savez déjà, Flo, ça, à votre âge. On verra bien. Reste encore un petit peu de temps pour. Non, je m'en approche doucement, mais malheureusement, sûrement. Plus que 2 ans à attendre. Allez. Vous êtes coquille, frère. Oh, je vous en prie. Allez, 4 répétitions pour Saunders qui a choisi la main gauche, le bras gauche, qui est son bras dominant apparemment. Allez, la pulsion. Et on est à 6, 40 secondes. Et c'est solide aussi, hein. 7, est-ce qu'il va passer les 9? On va voir ça. Et la 9e. Et ça passe. Saunders, lui aussi, en pleine forme. Ouais, on est vraiment là avec les meilleurs. Hein. Hop là, et ça repasse également. Une 11e répète. Énorme performance. Ah oui. Ça, c'est pour un homme qui va chercher une 12e. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous fait, Saunders, là? Mais on a l'impression qu'il soulève une haltère en polystyrène. 13 répétitions en 1 minute 30. Monstrueux. Ah, ouais. Ah ben là, franchement, je sais pas si parmi les concurrents qu'on a aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a même de le battre. So tell me what's going through your mind when you're doing that. Control. Breathe. Il a contrôlé. The weight. Voilà. Il a respiré aussi. Il a respiré. Il a géré son effort à la perfection et voilà le résultat. I knew it wasn't a question of the weight. It was just pacing myself to make sure one rep after another for 90 seconds. Ouais, il a essayé de gérer son rythme, le rythme avec lequel il a soulevé cette dumbbell, hein, cette halter. Qu'on soulève un bras et voici Friends. Alors ouais, ce moment est important parce qu'on le rappelle, hein, ils sont tous dans un mouchoir de poche. Ah Flo, ouais, ça ne joue pas grand chose. Extrêmement serré. Chaque répétition compte. Hein. Ah ouais, ça peut faire la différence. Et lui, en tout cas, il sait ce qu'il a à faire. Il est passé juste derrière Saunders et il a vu que ce serait coton, hein, pour aller le chercher. Allez, faut y aller. On est à 3 répétitions. Et c'est difficile. Ouais. Ça semble compliqué, hein, d'aller chercher 12. Limiter la casse. Allez, au moins faire mieux que les autres. Allez, la poussée. Et elle tourne, hein, elle tourne. 3 répétitions. Rendez-vous compte de ce qu'on vient de vivre avec Saunders. Non, c'est incroyable, franchement.
On a l'impression qu'il y a deux classes d'écart là. Ouh là là, ça flageole, hein, ça flageole. Fait ce qu'il peut là, France. Allez, faut y aller, faut y retourner. Ça va être. Ça va être un peu de souffrance hein, pour lui. Voir beaucoup parce que regardez, on est loin, très très loin du résultat maximal de 12 répétitions. Allez, peut-être cette dernière-là, non, c'est fini. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine et l'homme est vidé là, hein, sur ce coup-ci parce qu'il a tout donné. Ne l'appelez plus, hein, jamais, France. Ce France, Flo, vous a laissé tomber. Never used a dumbbell that size. No. Ouais, c'est la première fois qu'il avait à manier une dumbbell de cette taille. Des plus petites, il en avait déjà utilisé certaines, mais c'est la plus grosse qu'il a eu à gérer, donc pas de repère. Et il a fallu un petit peu improviser, et donc il n'était pas forcément dans un grand confort. Chad Coy, il est troisième pour le moment au classement général américain. Et il va essayer de grappiller une ou deux places au podium. En tout cas, d'assurer sa troisième place, qui serait déjà une médaille de bronze pour ces championnats du monde vétérans, ce qui serait pas si mal. Pour l'instant, on a une bonne cadence. Ouais, ça part vite, ça part très très vite. Il envoie très vite. C'est pas forcément l'assurance qui fera beaucoup de répétitions, mais en tout cas, il part très vite. Allez, beaucoup de vitesse pour Chad Coy qui est déjà à 5 répétitions et 6 désormais avec ce bras droit loin là-haut. Et regardez hein, la stratégie d'alterner bras gauche, bras droit pour aller le plus loin possible et ne pas engorger. Voilà, stratégie payante pour l'instant puisqu'on a 8 répètes sous la minute. Ouais. Alors, vous connaissez, mon cher Flo, la différence entre la stratégie et la tactique. Ah, intéressant. Alors la stratégie, par exemple, là, il s'est dit avant, je vais faire bras gauche, bras droit. Ça, c'est la stratégie. Oui. La tactique, c'est le changement de ce type de stratégie pendant l'exercice. D'accord. Ok, j'ai compris. La stratégie, c'est avant, la tactique, c'est pendant. Exactement. Incroyable. Eh, c'est intéressant, non? Et après, c'est quoi? Et après, je me rappelle plus. D'accord, ok. 13 répétitions, en tout cas, regardez. On plaisante, mais il est en train de battre Sanders, Chad Coy. Tout à l'heure, Sanders était passé devant lui au pire de l'Atlas. C'est sa revanche à l'américain. Oh là 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 là, Chad Coy, 15 répétitions. Monstrueux, regardez, et regardez, il branche la branche à Paul, il est dans son jardin. Ouais, monsieur. Ils ont oui, tous, monsieur. Hein, ils ont oui, tous monsieur. Leur exercice favori. Et là, on peut vous dire que Chad Coy est très à l'aise. Et 15 répètes, Flo, c'est énorme. Énorme. You guys' shoulders were out. They get done all day. It's about being consistent. If you top three every event, you win the show. Here we go. I'm consistent. Ah, il dit qu'il a été consistant là sur ses dumbbells. Mike's got a shot. Il est en confiance, il est en confiance, Chad Coy. Il sent qu'il a retrouvé son second souffle et qu'il va finir la compète en boulet de canon. Allez. Le leader du général, Antanas Abrutis, lituanien, il sait ce qu'il lui reste à faire. Ah, il va falloir qu'il nous sorte quelque chose hein, quand même, le lituanien, parce que Sanders et Chad Coy, ils ont fait très 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 fort. Alors on va voir tout de suite s'il est à l'aise ou pas. Oh, ça commence mal. Oui. Oh là là, Flo, attention, le tournant. Le tournant pour le leader là, qui a du mal à aller chercher la première. Oh, il n'est pas à l'aise, il n'est pas à l'aise du tout. On sent que c'est pas une épreuve qu'il affectionne particulièrement. Il va se passer quelque chose, regardez comme c'est dur le contrôle là. Ouais, Flo, regardez, il se passe quelque chose ici, le leader qui est en difficulté et Sanders qui était juste derrière et qui va bouger le podium, ça va changer. Flo, ça va changer, c'est sûr. Ouais, c'est possiblement en train de bouger. Le championnat du monde, vétéran de l'homme le plus fort du monde, bascule. Est en train de se jouer sur la chaîne. Oh là là, elle lui retombe sur le haut de la tête. Là, Abrutis, il est à bout de force. Seulement 4 répétitions. Oh là là, le coup de mou, là, inattendu. La surprise ici. Ouais, comme l'alter, hein, tombe de haut. Come on,
Encore 10 secondes pour aller en chercher une. Ouais. Et c'est une catastrophe pour le Lituanien qui, malgré ses 6 répétitions... Ah, il est peut-être en train de ouais. perdre le titre. Ah, il s'est fait mal à l'épaule. La descente a été dure à gérer. C'était une épreuve catastrophe pour lui, une épreuve cauchemar. 6 répétitions, 9 de moins que ses adversaires directs, notamment à l'américain. Ah, il n'y a pas photo là. Aïe, 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 la catastrophe, Flo, la catastrophe. Oh, il a pris un gros éclat. Hein. Is okay? Ok, donc. Была серьезная травма, и пока... Ah, il s'est fait mal à l'épaule, hein, il confirme. C'est incroyable, ce Lituanien, il a vraiment des hauts et des bas. Dans cette compétition, il n'y a pas de régularité, il y a des épreuves où il est incroyable, il survole, et l'autre où il est vraiment au fond du seau. Il alterne le bouillant et le glacé. C'est pas une montagne russe, c'est une montagne lituanienne. Ah ouais, là c'est dur, c'est très dur. Et ça va forcément bouleverser le podium. Alors, Jack Coy qui remporte avec 15 répètes cette histoire-là. Sanders juste derrière et Haugen. Que va-t-il se passer au général Monflo? Je tremble. Ah, il va se passer des choses, ça c'est sûr. Regardez. Alors attention. Le leader pour l'instant c'est Mike Sanders. Oh là là, Jack Coy et Abrutis qui rétrograde à la troisième place. Oh là là, le carnage pour Abrutis. C'est pas fini, Fred, c'est pas fini. This is the moment we've all been waiting for. It's the final event and I've got to say, c'est la dernière épreuve, on la connaît celle-là, c'est les marches de la gloire si je puis dire. C'est un peu une sorte de dérivation des pierres de l'Atlas, il va falloir soulever entre ses jambes ce poids et monter en haut des marches. 200 kilos, 210 kilos et 220 kilos puisqu'il y en a 3 enchaînés. 3 à monter en haut des marches. On va voir Flo comment va se passer la fin de cette histoire pour le Lituanien qui a été leader quasiment tout au long. Ouais. Il est en train de dire qu'il a cramé beaucoup d'énergie dans la Lusafel Stone, la pierre Lusafel et les pierres de l'Atlas. Les pierres n'ont pas été son ami aujourd'hui au Lituanien. Alors que Sanders lui est de retour, Chad Coy également. C'est très indécis, Fred. Pour l'instant, on ne sait pas qui sera l'homme le plus fort du monde catégorie vétéran. Ça va être très serré. Ok, oui. Okay, très, très serré. Ça va se jouer là. Il y a du monde dans quelques points et ça peut se jouer. Ça peut se jouer ici. Rien n'est fait, sauf pour ces hommes qui ne monteront pas sur le podium. Ni Nelson, ni Murray ne seront capables d'aller chercher la médaille d'or. On est là aussi pour l'apprentissage et le plaisir. Ouais, ça va nous permettre de découvrir, si vous ne la connaissez pas encore sur la chaîne L'Équipe, cette dernière épreuve. On appelle ça les marches de la puissance. Voilà. Un exercice, un effort très particulier, Fred. Oui, c'est très particulier parce qu'il faut aller faire un soulevé de terre pour emmener cette masse là et puis il y a aussi un exercice de coordination pour gérer son effort et amener sur les marches, amener les pieds aussi, voilà, gérer le haut du corps, le bas du corps, mettre cette pulsion en jambes, ce tirage là pour aller amener la charge tout en haut et puis bien respirer parce que c'est très cardio. Allez, ici un dernier effort, voilà, ça passe, allez, il en reste un. Il faut que toute la masse soit bien sur le haut du plateau. Allez. Allez, c'est les dernières forces qu'il reste. Il faut les ramasser et les envoyer maintenant. Après, ce sera trop tard. Ce sera terminé, ce championnat du monde. Allez, on va aller chercher un chrono là, d'une 29, on est sous la minute 30. Ce sera notre temps de référence. Hein. Allez, Penska et France. Ouais. Penska, respectivement 5e et 6e au classement général. Et c'est parti avec tout de suite le Polonais qui fait son effort. Mais France semble un peu plus dynamique, un peu plus
en jambes. Voilà, dans cette forme un peu saute-mouton là pour aller chercher la marche supérieure. Alors que Petska est solide physiquement, mais il a du mal à libérer son corps, à avoir cette mobilité plus évidente chez le Britannique. Voilà, on est en avance. Allez, un dernier effort et Net ça passe. France pour le troisième, 220 kg pour Net France. Pour finir sur une bonne note, hein, lui qui a été un peu décevant hein, dans cette compétition, Net France. Et voilà, Net France, 51 secondes, on est sous la minute. Ça, c'est une belle performance. Et Peksa, le Polonais, lui, sera également sous la minute. Bravo, messieurs. Ils vont quitter cette compétition sur une bonne note. Gentlemen, that is how you finish a contest. Fantastic. How do you both feel? Good. Yeah. Unbelievable. Gregor, essoufflé, ils ont tout donné. Le sourire. La satisfaction d'être arrivé au bout, Fred, sans blessure. That's the kind of camaraderie ce qui arrive. Awesome to see. Well done, guys. Thank you. Ah, c'est bien fait, c'est très joli. Cet engagement des deux hommes. Et ce qu'on va regarder là, Flo, c'est vraiment Haugen Abrutis. Ouais. Parce que là, il peut se passer quelque chose. Et oui, Abrutis, s'il veut remporter ce championnat du monde, il faut qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel. Et on sait parti. Qu'il est capable il de est faire. Parti. Il est capable du meilleur comme regardez du pire. Pour l'instant, d'Abrutis. C'est le meilleur. Voilà, ça passe. Allez, loin derrière. 200 kilos. Haugen qui est en train de craquer là. Haugen qui est en train de craquer, qui va quitter le podium. Définitivement, Abrutis qui restera sur le podium. Mais pour quelle couleur? Quelle couleur de médaille? Voilà, Abrutis va être sur le podium avec ce rythme-là, mais quelle couleur de médaille, Flo, alors qu'Haugen, c'est sûr, ne sera plus médaillé désormais. Ouais, pour l'instant, c'est le bronze hein, pour Abrutis. Pour l'instant, il a la troisième place, mais il est en train de nous faire quelque chose d'exceptionnel. Ouais, ouais, ouais. Le c'est dernier pas fini, poids, 220 kilos, 220 kilos pour Abrutis. Allez, tout donner, le lituanien, pour pas avoir de regrets. Et après, ben, ce sera au oh là là, voilà. Quel temps 43 secondes 54. Bravo au lituanien. Ah, il a bout de force, il a bout de souffle. Et il va falloir aller le chercher, le garçon. Malgré une épaule douloureuse, il est allé optimiser ses chances de remporter ce championnat du monde. On a tapé dans le cardio hein, du côté lituanien. Et franchement, bah, rien n'est fini. Rien n'est fini parce que là, il a mis un temps de canon. Antanas, how was that? There's no. I dropped the whiskers, you're right, but. Alors là, je ne parle pas lituanien, mais ça va être traduit, hein, ça, oui. Mais ça tombe bien. Voilà, il a jeté ses dernières forces dans cette ultime épreuve. Il y en avait encore. Hein. Il pense qu'il a gagné. Il pense qu'il va gagner. Alors là, on va suivre ça. On va suivre ça. Et respect, énorme respect pour cet homme, le Norvégien Odd Haugen, 63 ans. 54 secondes, il est sous la minute. Il a été présent tout au long de cette compétition. Il a été impressionnant. Il a même remporté certaines épreuves, ce Norvégien. Qui aurait pu penser au tout début de cette compétition, Fred, qu'il irait aussi haut? Oui, bien sûr. Il était quatrième avant cette dernière épreuve, Odd Haugen. Ah, c'était vraiment merveilleux hein, jusqu'à présent. Et puis, il y a eu quand même des grands moments. Ah, c'est une victoire personnelle pour lui, indéniablement. Oui, franchement, oui, parce que voilà, beaucoup de messages dans son travail, beaucoup de respect pour cet homme qui, malgré son âge, eh bien, a été extrêmement dangereux jusqu'au bout. Compétiteur vétéran de qualité. Il n'a pas fait son âge. C'est simple, il n'a pas fait son âge aujourd'hui. Chatcoy et Maxson avec ce chambre, regardez. Ouais. Ils sont potes, hein, le Canadien et l'Américain. Premier, deuxième, et pourtant, c'est peut-être un duel pour devenir champion du monde. L'homme le plus là. Fort du monde, mais ouais. Et puis on va surveiller surtout le temps Sander, de. C'est attendu. Hein. Le lituanien, hein, ouais. Abrutis. Attention. Il est en 45 secondes, c'est ça. Devant l'américain, mais alors de rien du tout, ça va être un temps canon, Flo. Allez, Chatcoy. Ça va être un temps canon, Chatcoy. Attention, attention. Coy ou Sanders? Sanders ou Coy? Sanders qui se dirige peut-être vers un titre de champion du monde. Sanders qui est légèrement devant. Sanders qui se dirige vers un titre de champion du monde. Attention, il a failli tomber, Coy. Sanders est en avance. Sanders, il va faire un temps canon. Sanders va remporter le titre. Oh, il va être champion Sanders du monde. Va être devant. Il va être champion du monde. Il va être champion du monde. Il est champion du monde. 34, c'est sûr. 34 secondes, c'est sûr. Il va être champion du monde. Et 36 pour Chatcoy. Quel duel final. Oh là 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 là. Bah ouais, et il n'y a pas de frontière entre les États-Unis et le Canada ce soir. Il y a de l'amitié, il y a du respect et il y a une performance de haute volée.
Quelle performance et quel finish. Last event of the day, Chad Coy, who put up an awesome race with the stones, now with the power stairs. Ouais, il lui dit qu'il lui a donné vraiment du fil à retordre. Déjà tout à l'heure sur les pierres de l'Atlas, Chad Coy est là. Il est venu encore l'enquiquiner sur ses marches de la puissance. 4 secondes d'écart entre les deux, hein. À peine. It's nail biting, right? That's what sports is about. Yeah. I'll be honest with you. Breeze and strongman is the best sport in the world. Ah, il dit voilà, les épreuves de force, c'est le meilleur sport au monde. Really happy for Mike that he won and beat me today. Give me something to train for. Il dit voilà, bah aujourd'hui il m'a battu et la prochaine fois c'est moi qui le battrai. C'est ça l'essence du sport, Fred. Bien évidemment, la complicité et la compétition. Le respect des deux hommes qui ont tout donné. Sanders, franchement, qui nous épate. 9 points pour Chad Coy. Oh là 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 là. Antanas Avrotis, qui craque un peu finalement avec une performance de 43 secondes exceptionnelle. Et le classement général final de ces championnats du monde. L'homme le plus fort du monde, catégorie vétéran. 68 points pour Mike Sanders. Deux petits points derrière. Il vient échouer l'Américain Chad Coy. Et Antanas Avrotis complète le podium. Avec 64 points et bravo, bravo Aude Hogan, 57 points, il est quatrième mais pour moi il est vainqueur moral, hors catégorie. Quel championnat du monde de haute volée on a eu aujourd'hui. On s'est régalé mon Flo, c'était merveilleux et ce sont des leçons données aujourd'hui. La force ne s'arrête jamais, l'engagement est total, on peut toujours être performant si on le désire vraiment. Bravo à eux, à très vite sur la chaîne L'Équipe pour de la force. Et mon cher Fred, que la force, que la force, que la force soit avec vous sur la chaîne L'Équipe. À très vite. We'll see you next time, bye bye.